cooking. Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de cuisine. Alors aujourd'hui on va manger italien, on va se faire des pâtes à la carbonara. Je vais vous présenter la vraie recette des pâtes à la carbonara telle qu'elle est mangée en Italie tous les jours et depuis toujours. A savoir que les produits sont simples à la base, hein. Les pâtes à la carbonara c'était les pâtes qui étaient faites par les charbonniers, les gens qui travaillaient dans les montagnes et qui coupaient du bois pour faire du charbon. Donc dans les montagnes, ben si vous voulez, il n'y a pas grand chose à part des œufs, à part du fromage et à part du lard. On retrouve également du poivre parce que ça rappelle le charbon, hein, le petit côté poivré, la petite couleur noire. Mais moi dans ma recette, j'en ai pas rajouté, je l'ai présenté. J'en ai pas rajouté parce qu'en fait, j'ai acheté du guanciale et ce guanciale était vraiment très poivré, il a été conservé en fait dans du sel, mais également dans du poivre. Et donc il y avait toute une phase du guanciale qui était pleine de poivre. Et donc je ne voulais pas surcharger mon plat avec ce goût particulier. Et donc j'en ai pas mis. Mais si vous avez un guanciale qui n'a pas de face avec du poivre, eh bien vous rajouterez du poivre à la fin de votre recette. Bon, et ben écoutez, assez parlé. Je vais vous montrer tout ça. Juste avant, je vous invite à vous abonner à ma chaîne et puis à cliquer sur la petite cloche pour être tenu au courant quand je poste une vidéo. Je crois que tout est dit, alors bienvenue dans ma cuisine, c'est parti. Les ingrédients pour faire notre recette de pâte à la carbonara. On va avoir besoin de pecorino romano, un fromage au lait de brebis issu de la région de Rome. Bien entendu, on aura besoin de pâtes. Là, j'ai pris des pâtes, ce sont des spaghettis artisanales de très bonne qualité, de très bonne facture. On aura besoin de poivre du moulin, du gros sel bien entendu. On aura besoin de 5 œufs, là on va être 2 à manger, donc 5 jaunes d'œufs uniquement. Puis on va avoir besoin de guanciale. Alors le guanciale c'est ça. Et donc en fait voilà, c'est un lard qui provient de la joue du porc et qui est très goûteux, très gras et très bon. Et qui va apporter beaucoup de saveur bien entendu à notre plat. Donc voilà, là vous avez tous les ingrédients. Vous voyez qu'il n'y a pas de citron, vous voyez qu'il n'y a pas de crème fraîche. On n'est pas du tout en France. On est vraiment en Italie, c'est la recette originale, et c'est parti. Alors on va commencer notre carbonara par le guanciale. Ce qu'on va faire en fait, c'est qu'on va enlever la peau, vous voyez. Alors ce côté-là avec le poivre, on va le garder, hein, ça serait malheureux de le jeter. Et puis ben, on va prendre notre morceau de guanciale, et puis ben, comme avec un morceau de lard classique, on va découper des tranches dans lesquelles on va faire des lardons, tout bêtement. Donc pas trop fin, hein. Faut qu'on retrouve de la mâche, faut qu'on ait de la matière dans l'assiette. On est autour des 400 grammes pour 3 assiettes de pâtes, à mon avis, c'est amplement suffisant. J'ai mis une poêle à chauffer, on va mettre notre guanciale dans la poêle. Alors bien sûr, hein, vous le voyez, on n'ajoute pas de matière grasse, hein. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais il y a quand même suffisamment de matière grasse dans le guanciale pour ne pas avoir à rajouter d'huile pour le faire rissoler. Alors, maintenant on va le faire rissoler gentiment. J'ai les morceaux de coin de tout à l'heure, je les mets dedans, on les mangera pas, mais on va quand même profiter eh bien, de tous les arômes et les saveurs qu'ils ont. Allez, on va les faire colorer un petit peu, ils vont rendre du gras, et puis on va poursuivre la recette. Allez, on est bien là, vous voyez, ils sont bien croustillants, bien colorés. Ils ont rendu pas mal de graisse. Je vais éliminer les 3/4 de la graisse qui se trouve dans la poêle et puis on va continuer la recette. Allez, l'opération guanciale s'est terminée. J'ai mis un bon volume d'eau, comme vous le voyez, à chauffer. Et puis, ben, on va saler l'eau. Alors, c'est très important de saler l'eau des pâtes et de bien les saler, je dirais, au début de cuisson et pas simplement une fois qu'elles sont cuites. Le sel est là pour donner, en fait, pour rentrer dans la pâte pendant la cuisson. Donc vous allez voir que j'en mets quand même une certaine quantité. Et au final, on n'aura pas quelque chose de trop salé. C'est important d'en mettre parce que sinon, ben, vos pâtes ne seront pas assez salées. Et quand elles ne sont pas assez salées, ben, vous aurez beau rajouter du sel lorsque vous allez les manger, et ben, vous n'obtiendrez pas finalement le degré de satisfaction que vous auriez eu en salant l'eau des pâtes dès le départ. Alors il y a une règle facile à retenir quand on fait des pâtes, c'est la règle de 1-10-100. Pour 1 litre d'eau, 10 g de sel, 100 g de pâte. Facile. Donc les pâtes sont en train de... Enfin, pendant que l'eau des pâtes, plus exactement, est en train de chauffer, on va s'occuper bien de nos jaunes d'œufs et du fromage. Donc on va déjà les mélanger ensemble. Dans un premier temps, une certaine partie. Toujours pareil, hein, je vous donnerai les quantités tout à l'heure. Donc on va essayer de se faire une espèce de crème de fromage à l'œuf.
voilà, quelque chose de sympa, de goûteux. Vous voyez ce que ça donne à peu près? Et on va le garder tel quel, jusqu'à ce que nos pâtes soient cuites. Allez, l'eau bouge, je mets 250 g de pâtes. Et puis on va les laisser cuire. Alors, j'ai pas envie de vous dire combien de temps faut les faire cuire, parce que je regarde jamais combien de temps faut les faire cuire en fait. Hein. Moi, je les surveille constamment, mes pâtes. Et quand je pense et que je trouve qu'elles sont al dente, parce que c'est comme ça que je les aime, eh ben j'arrête la cuisson tout simplement. Voilà, et je le répéterai jamais assez, mais les pâtes, c'est pas un plat qu'on fait mijoter, si vous voulez. Hein. C'est pas on le met au four et puis on revient quand c'est cuit. Les pâtes, faut rester devant. Faut rester devant et faut remuer. Alors là, je viens d'avoir un grand débat avec mon pote Maxou, qui me dit, mais moi, je mets de l'huile d'olive dans mes pâtes. Et moi, je lui dis, ça sert à rien de mettre de l'huile dans les pâtes. Elle me dit, si, parce qu'elles accrochent pas. Mais je lui dis, si tu mets pas d'huile d'olive dans tes pâtes et que tu remues tes pâtes régulièrement, elles n'accrochent pas. Donc l'huile ne sert à rien. En plus, je pense que l'huile va enrober vos pâtes et va déposer un film gras dessus. Et en fait, ça va empêcher quelque part le fait que l'eau pénètre bien dans la pâte. Et je suis pas du tout pour. Après, en restauration, collectivité, tout ça, on fait des grosses quantités. Alors là, on met un peu d'huile, mais c'est vraiment pour d'autres raisons. À la maison, vous n'avez pas besoin d'huile pour faire des pâtes. Voilà. Les pâtes, vous les faites, vous les remuez régulièrement, et puis elles seront parfaites. Bon, alors voilà, on en est là, vous voyez les pâtes. Vous voyez qu'elles sont encore légèrement rigides, légèrement. Elles sont encore un peu jaunes, et elles sont plutôt brillantes, ce qui est bon signe. Hein. Je vous rappelle que rien n'a collé au fond, hein. tout est impeccable. Voilà. Donc là, on est presque al dente, mais on n'y est pas encore. Il va falloir continuer un peu la cuisson. Elles vont perdre le jaune et elles vont devenir un peu blanches. Et au moment où elles vont devenir blanches plus que jaunes, eh ben on va se rapprocher de la cuisson al dente, c'est-à-dire à la dent. Pas croquante, mais encore ferme. Et c'est comme ça que ça se mange, les pâtes. Hein, c'est pas de la bouillie, c'est pas des nouilles. Voilà. Donc on continue, on les surveille bien. Puis on va arriver à un résultat qui va être top. Et on arrive... Au terme de la cuisson, je coupe immédiatement. Je vais sortir mes pâtes. Hop là. Rapidement, parce que je ne veux pas qu'elles continuent de cuire. Donc vous voyez qu'elles ont changé de couleur. Là, on est plus proche du blanc que du jaune. Et c'est comme ça que ça doit être. Je rallume ma poêle avec les pâtes. Et on va mélanger le guanciale avec les pâtes immédiatement. Donc toute la graisse qui est restée au fond, pas toute, hein, j'en ai retiré une bonne partie, vous l'avez vu. Ah bah celui-là, hop, c'est réglé. On a nos pâtes qui sont prêtes. Il nous manque à rajouter notre préparation de jaune et de pecorino romano. On va mélanger correctement nos pâtes avec la crème d'œuf. Impeccable. On va rajouter un petit peu d'eau. Alors c'est l'eau de cuisson qu'on rajoute et qui va détendre en fait notre crème et qui va permettre justement à cette crème d'œuf et bien de se mettre un petit peu de partout dans le plat. Et donc c'est l'idée. Impeccable, on est bien là. Je remets un petit coup de chaud. Et je vais rajouter du pecorino romano. Tout de suite, ça fait une espèce de crème. Voilà, donc il n'y a plus besoin d'aller plus loin en termes de chaleur. On coupe. Et c'est un truc. Et là, on a une vraie pasta à la carbonara. Je vous ai fait une petite assiette. J'ai rajouté quelques lardons, un peu de sauce. Et puis maintenant, on va terminer avec... Encore du pecorino, hein. Il faut être généreux, c'est un plat généreux la carbonara. Et on n'a plus qu'à déguster, je veux vous assurer qu'on va se régaler, ça va être une tuerie. Et j'ai hâte de finir la vidéo pour pouvoir mettre la fourchette dedans. Donc pas de blabla inutile, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures culinaires. Et puis ben, il n'y a plus qu'à, alors ben, à table. Donc voilà, comme testeur officiel, j'ai Maxou. Vas-y mon grand. C'est bon. C'est bon, ok. Bon bah je pose l'appareil alors.